Dégagé, loin devant, c'est bien vu. Kodjo s'est tricalisé. Kodjo, à l'entrée de la surface de réparation. Kodjo, la frappe. Ah, c'était bien essayé. Absolument, il a tenté de mystifier son vis-à-vis sur le côté. Il a réussi, il a, comme on le sait, il a une belle patte gauche, ce garçon. C'est lui qui avait d'ailleurs réduit le score face à la Saint-Pierre-Bouzan, une frappe de 20 mètres, qui avait surpris du Mandé Namouri. Ce garçon aussi fait partie de la génération brillante. Du Cerro Espoir de San Pedro, les tricas, c'est bien combiné dans notre jeu. On va essayer de chercher Kodjo Cédric. Kodjo, le contrôle est parfait, le dédoublement, oh non, il n'a pas passé le ballon. Quand il le fallait, la frappe de Kodjo, très très récurrent sur le flanc gauche. Il y va, il essaye. Hein. Absolument, je veux dire, c'est encourageant de voir ce garçon prendre sa chance à mi-distance. Comme je disais, il a une belle patte gauche et il s'essaie. C'est à Alassane Yansan de se méfier de ce garçon, capable d'envoyer des mines. Pour le côté gauche, ramener le ballon forcément sur son pied gauche. Il essaie. Pénalty. Kodjo Cédric, le petit passement de jambe, les actions de défenseur. Il allait chercher ce pénalty là. Là, il fait la différence. Et il est déséquilibré. Le règlement est très clair là-dessus. Déséquilibré dans les 18 mètres. Pénalty indiscutable. Même s'il est discuté par la défense, les défenseurs de la JCAT. 23e minute. C'est Kodjo Cédric qui va se rendre justice. Contre-pied parfait. Et ça fait 1-0 pour le Cerro Espoir de San Pedro. Celui-là. L'ouverture du score, je l'ai dit, mérité hein, sur les 5 dernières minutes. Le Cerro avait le ballon, avait repris la main sur ce match-là, avec le buteur, n'est-ce pas, troisième tir maintenant, un cadré, et ça fait mouche, et qui signe son deuxième but, parce que je le disais tantôt, celui qui avait réduit le score face à la Saint Mimosa. Son deuxième but en deux matchs, voilà le Cerro Espoir de San Pedro, qui mène le score. Il a bien ouvert le pied, Kodjo Cédric Elizé, pour son contre-pied parfait. Tout à fait mérité, comme l'indiquait Kader, depuis 10 minutes comme ça, l'environ, le Cerro a pris l'ascendant. Et au grand bonheur du banc des Ceroïquais, Boufran, faute de Koné, Diallo, c'est Kodjo Cédric qui revient bien. Kodjo, buteur, cette partie, du moins pour l'instant, position de leur jeu, et Isa Gédié. En tout cas, la mission a intérêt à ne pas laisser Kodjo Cédric Elizé se faufiler dans la défense parce que lui, à 25 mètres déjà, il est capable de faire tomber les filets.